Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate Defiance. On va pouvoir reprendre notre petite mission. Alors cette fois, on va pouvoir faire venir du monde. Par contre, c'est pas toute l'armée qu'on fait venir. Hein. On peut faire venir quelques véhicules légers avec un petit peu d'infanterie. Sachant que malheureusement, on va devoir faire avec ce qu'on a, puisque on est à sec de ressources de partout. Donc là on a quelques taux, là on a des munitions et on est en bon état, donc je pense qu'on va prendre toi, on va la détacher et on va le mettre aux fesses de celui-là. Voilà, comme ça on va avec une petite plateforme. Il va nous falloir de la force de frappe, clairement. Donc on va prendre géant 1 et géant 2 avec leur mitrailleuse à plasma. Et leur lance-roquette. Tac, tac, tac. Une petite escouade full anti-char. Tiens, vous, parfait. On vous met là-dedans. Hop. On peut prendre encore un peu plus de véhicules. Est-ce qu'on a du véhicule? Toi, t'es à sec. Toi, t'es à sec. Toi, il te reste quelques munitions de plasma. Toi, niveau grenade, ça va. Toi, il te reste un peu de trucs. Là, on a une escouade de tanks, mais tant pis. Un peu de minigun, pourquoi pas. Ah mais c'est déjà celui que j'ai pris avec la plateforme légère. Non, pas du tout. On a une deuxième plateforme légère. Ah, on peut venir avec deux plateformes légères, excellent. Du coup, là, on a un obusier. Parfait, ça. Ça, c'est très très bien. Et du coup, on vient avec un véhicule un peu endommagé, mais en lance-grenade. Allez, go. Et je pense qu'une petite escouade lance-roquette serait sans doute pas trop, de type Malboom. Deux. En niveau munitions, ouais ça va. Ok. Alors on sort où? Ok, tout là-bas, très bien. Donc ça veut dire qu'il va falloir, quoi qu'il arrive, qu'on nettoie tout ce qui est là. Autant dire que ça va demander un peu de taf. Donc le MV du coup ici on va le reculer avec ses copains. Passer en mode de tir, réactiver ses armes et le reculer avec ses copains. Et ici du coup il va falloir qu'on tienne. Ça fait un peu chier ces plateformes de ravitaillement qui se baladent là. Pareil, j'ai pas forcément envie d'utiliser des munitions là-dessus. Du coup, est-ce qu'on aura des endroits un peu mieux pour se replier? Ça c'est du bon bâtiment hein, après, hein, c'est l'avantage. Ici ils ont un peu mangé chaud. On essaie de tenir avec ce qu'on a. Ouais, arrête, ne tire pas sur ça, tu vas plutôt te mettre... Alors du coup non, il y a du monde là. Non, ça c'est de la tourelle, ok. Qui vont pas bouger, et ici en vrai il n'y a pas l'air d'avoir d'endroit pour que les unités ennemies arrivent. Tu vas plutôt aller couvrir la zone là. Toc, courez. La grenade jusqu'au bout là. On va essayer de sortir avec eux. On va détruire les derniers condensateurs. Ça fera pas de mal. Ça consomme un petit peu de munitions, mais ça fera pas de mal. On tire plutôt sur ça, toi. Ici, du coup. Putain, avec les véhicules qui sont déjà endommagés, quoi. En plus, on sait qu'on a du Rev 6 et compagnie dans le coin. Est-ce qu'ils viennent vers nous? Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, putain. C'est quoi, ça? Sir, we're sending you a mobile HEMTT based command system. Get it to the data center so they can access the network. The system will connect and start the download on its own. It'll take some time, though. Got it. Just be careful with the systems, sir. They're all we've got. At least one truck must survive. Target destroyed. Ah, et ils y vont comme ça. Ok, bah, go. En avant. Time to move. Moving to position. J'imagine que eux, si on arrivait à choper un moyen de ravitaillement, on pourrait les
pourrait les ravitailler, mais... Vas-y, c'est fait. Non, vous, vous allez rouler dans la pampa, s'il vous plaît. Faites pas les cons. Franchement, les véhicules, les pauvres véhicules qui va à 2 à l'heure là. On va essayer de rouler jusqu'ici, déjà, ce sera pas mal. Alors là, toi, tu te fais avoiner, recule un peu, tu vas servir de... Pense bête. Donc là, l'objectif, ce serait éventuellement d'aller péter ça. On pourrait envoyer notre char s'en occuper, cela dit. Il reste 3 munitions. Essayer de péter ce truc-là. Là, on a totalement annihilé le truc, mais on doit plus avoir beaucoup de... Ouais, on a plus grand-chose. On va envoyer Ardarin prendre ce bâtiment. Avec le soutien des snipers. Est-ce qu'on a des escouades de lance-roquettes à cheveux? Non. On n'est pas non plus hyper bien en termes de munitions, hein, malheureusement. Donc ici, attention, potentiellement il y a du monde. Et faut pas traîner, hein, les camions, ils y vont quoi, hein, ils s'en branlent. Hein. Ils ont pris la route là, ça y est, c'est parti. Le busier qu'on a, ouais. Ok, ça y est, c'est la guerre. Les Terminator Rev 6 sont là. Vas-y, détache-toi. Voilà, on puisse commencer à tirer. Clairement, là, les Rev 6, ils vont piquer le cul. Putain, puis les camions, ils sont taquets du taquet. Comment on était censé nettoyer cette zone plus rapidement là? Dites-moi. Dites-moi et je le fais. Toi tu traînes, c'est normal. Par contre toi, c'est pas normal. Alors, d'autres unités à nous s'approchent de l'objectif. Les tas de Tefera ne vont pas tarder à savoir qu'on est là. Ah bah, là, je pense que... Y a pas trop de débat, ouais. Ok, on peut faire sortir un peu plus de monde. Plateforme lourde. On peut faire venir du Bradley. Donc les hélicoptères, non. On peut faire venir 2 véhicules de combat. Donc en gros, 2 Bradley probablement. Qu'est-ce qu'il nous reste comme munitions? Là, il nous reste un taux. Là, il nous reste un peu plus. Là, on est plein. On peut faire venir du transport blindé. Excellent. On va prendre... Un striker également. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je pense qu'un petit plasma pierre là ferait bien le taf. 8 sur 11, on peut mettre un truc à 3 dedans. On va emmener Shobby Snipey pour qu'elle se rattrape. Ici à 10, on peut emmener 2 rangers. C'est parti. Il nous faudra un autre véhicule de combat quand même. Ça, c'est du transport blindé avec une plateforme lourde. On va devoir tenir la route, donc on va prendre quand même de la plateforme. Le Bradley va être probablement dans ceux qui vont avancer. Du coup, transport blindé, c'est bon. Véhicules légers. Bah, le problème, c'est qu'ils sont à sec, les véhicules légers. Là, on a un peu de plasma. Là, on a un peu de frag. Là, on a un peu de taux. Là, on a rien. Là, on a plus rien. Et on est plein, là. J'ai un faux jour. Non, oui, je peux mettre personne d'autre. Ok, bon, de toute façon, on est plein. C'est parti. Ce qui veut dire qu'avec notre force de frappe, là, il faut qu'on avance. Sachant que les camions sont déjà là.
Avec ces foutus F6, non mais sérieusement quoi, comment vous voulez qu'on gère les F6 quoi? Déconnez ou quoi? C'est abusé de nous mettre du F6 là quoi. Moteur. Ok, vous... remontez par là. Sans prendre cette foutue route. Ah putain la vache. On a tué un. On a perdu un MV. Il y a un camion qui est pas dans le bien là. Allez, c'est le dernier. Ok, ils sont morts. Oh la vache. Je sais pas si je préférais pas la partie tranquille sans problème quoi. Bon, la plateforme a pris cher, on va la réparer du coup. Il faut qu'on avance. Vous allez en profiter pour tenir ici je pense. Ramasse la TGM toi, voilà, merci. C'est quoi qu'on voit là? Une nuée. Il doit y avoir un MV voilà, qui n'a pas de camion et qui est encore un peu près fonctionnel. On avance. Derrière, c'est quoi qui arrive? C'est le MV tout pété. Ok, le MV tout pété, il va nous servir à tenir la zone, je pense. Alors là, le char. Vas-y, pète-nous ça. Toi, t'es capable de tirer sur ça? Peut-être celui qui est derrière. Sérieux quoi? Le truc à l'autre bout de la map quoi? Oh la vache, j'hallucine. Ok, avance-toi. Bon, va falloir qu'on progresse, visiblement. Toi, on va te laisser là, à l'arrière, pour essayer de sécuriser l'arrière. Toi, tu vas rester ici pour servir de char à canon, entre guillemets, désolé. Donc là, il faut qu'on avance. On a un MV endommagé, avec une plateforme légère à peu près fonctionnelle. On a du géant 1 qui est pareil, un peu près fonctionnel. Vous allez dans le bâtiment, du coup on va garder Malboum et compagnie avec nous pour avancer. Pareil pour vous, vous avancez. Toi t'as récupéré l'artillerie, tu vas la poser par exemple là et il va falloir progresser ensuite. Don't let it get away. Destroy it. Ah putain, les trucs qui sortent quoi. Voilà. Maintenant faut qu'on... On a plus de munitions. Ok. Et la méca de merde cette map. Ah la vache quoi. C'est un truc de fou. Vas-y, pendant qu'ils s'occupent là, faut qu'on y aille les gars. Eux, je vais essayer de les mettre là pour que les deux derniers soient au compte. Des homoncules par là. Ici, on va essayer de prendre cette zone. Toi, tu avances, je t'ai dit. Ces foutus camions, ils s'en ont rien à branler. Ok, là on a une ATGM, enfin un ATGM chargé, très bien. Le truc à frag, il va venir par ici. Le reste là, qui c'est qui reste à l'arrière? Ces véhicules là, bah, ils vont nous servir de pointe pour aller chercher... Ok, non, ouais, bah, après de toute façon on pourra pas les empêcher de partir ici. Hein. Donc il va falloir qu'on aille prendre la zone là-haut, je pense, pas le choix. Du coup, vous...
venez jusque là. J'aimerais bien le Bradley tant qu'on y est. Voilà, le Bradley aussi. On va essayer de se faire une équipe de pointe avec ça. La TGM Tau. Non, il nous faut de l'anti-char par là-bas aussi. Donc on va l'envoyer avec les copains là-bas. Alors, vous. Eux, pour le moment, ils s'en foutent un peu de nous. Je pense que ça ne va pas durer. En plus, il y a des foutus homoncules avec Swo là, donc ils vont un peu piquer le cul. Ouais, en plus, on commence à leur tirer dessus. Donc, clairement, ça va mal se mettre. Vous, allez par là. Toi, tu lâches ton truc et après on progresse. On continue d'avancer là. On continue d'avancer. Ici, lui, il fait son taf de prendre les coups à notre place. Alors, toi. Ouais, en termes de portée, c'est pas ouf. On va te le désactiver pour le moment. Toi, avec ça, tu pourrais éventuellement allumer ça. Vas-y. Là, il y a des gens qui arrivent, c'est quoi? Des homoncules avec Swo. Ah putain, et ces deux MV qu'on a devant en plus, ça va piquer. Et là, on commence à les avoiner à l'artillerie, donc ils vont réagir. Ça, c'est quoi ça? Une plateforme d'appui de feu, très bien. Continuons d'avancer, on leur donne pas d'angle. Les camions ils sont où? Pas très loin derrière. Hein. Toi t'as toujours pas pris ta position, très bien. Vous deux je vous ai demandé d'aller par là. Il va nous falloir plus de monde. Allez par ici, tout le monde progresse globalement, ça va. Vous là, attends, vous prenez du dégât malheureusement. C'est quoi ça? Ouh la petite nuée. Ah la petite nuée, putain. Aïe 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 aïe, ça pique tellement le cul. Allez, essayez de shooter ça. Ah ils ont annihilé le bâtiment quoi. Oh la vache. Ok, faut continuer d'avancer. Sécuriser tant bien que mal comme on peut le machin. Une plateforme de transport. Là on a réussi. Oh, il y a du RF6 quoi. La violence. Par contre, on n'arrive pas à buter les tourelles et ça c'est très mauvais. Sérieux? On en reste plus qu'un là? Et le machin il avance toujours tranquillement, rien à foutre au milieu des tirs quoi. Et il avance à 2 à l'heure accessoirement. C'est qui est hyper lent derrière là? Ah c'est le bulldozer, oui forcément. Le bulldozer. Le bulldozer qui va avance tant qu'il peut. Là on a réussi à gérer ça, c'est parfait. Il nous reste quoi? Des homoncules mais avec des Swo, donc forcément ça pique. Et ici... Ok, on a réussi à tuer celui qui avait le Swo, c'est déjà ça. Ardarin, il se fait défoncer. Ok, on a réussi à éliminer une tourelle, c'est cool. Essayez donc de shooter celle deuxième tourelle, s'il vous plaît. Ah, il y a du RF6, ouais, il y a du RF6, c'est vrai. Il y a du RF6, en plus on se fait artiller la tronche, on se fait tirer dessus sur le côté. C'est pas gagné, hein. On a raté notre dernier Swo. Le gros de nos troupes est maintenant engagé. Certes. Pose ta tourelle là, toi. Quoique non. Plutôt ici, ça sera mieux.
Là, il y a quoi? Une araignée. Une araignée. Prépare-toi à l'allumer. Ici, c'est de l'homoncule. Araignée, araignée, qui sont pour l'instant pas trop trop réveillées. C'est plutôt bien. Ici, on a quoi qui arrive? Il y avait des chars hein, sur cette zone. Hein. Je sais pas où ils sont encore, mais... Il y en a au moins un. Ok, il y en a un là. Les nuées nous ont fait hyper mal. On va avancer par là avec le Bradley et son copain. Alors son copain, à la limite, s'il pouvait gérer ça. Mais c'est un peu loin, je pense. Ou pas. Ou pas, c'est à portée. C'est de t'occuper de ça. Et alors, niveau réserve. On peut amener de l'artillerie. Ah, et les deux léopards, là. Ouais, mais il y en a un qui est à sec, non? Ah non, ils étaient remplis tous les deux. On peut amener des Abrahams. On va amener Mer. Et... Teflon, hein. C'est parti. Tac tac tac. Est-ce qu'on récupérerait pas les squads anti-chars là à la place de là? Te remettre là. Toc. Voilà, comme ça au moins c'est les équipes de chars qui prennent de l'XP. C'est quand même toi qui as le plus de munitions. Ouais, faut encore que. Vas-y, c'est toi qui viens. Tendu, tendu, tendu. Alors on pourrait prendre du ravitaillement. Ça pourrait être une option, mais c'est un peu tôt là. Il y a un peu trop de monde sur la map qui se bat dans tous les sens, je crains. Le Humvee qui est tout vide, hein, on va lui foutre un pilote de type de base. Véhicule léger, on en a plus tant, hein, vu qu'on a dû en sacrifier pas mal. On reste 3 MV qui sont à sec. À sec, à sec. Pas tout à fait à sec, mais pas loin. On pourrait prendre quand même un petit MV et le petit camion de ravitaillement pour essayer de... Pour essayer de jouer l'artillerie et nettoyer d'assez loin. Non, c'est le carburant que j'ai pris, là, pardon. C'est ça qu'il me faut plutôt. En termes de troupes, on peut pas en prendre tant que ça vu qu'il faut compter les équipages, donc je pense qu'on va pas prendre ces artilleries là, qui sont certes hyper efficaces mais qui mettent longtemps à tirer et qui sont instantanément vides, donc il faut vraiment une cible très valeureuse et en même temps statique. Le Sherman, ça compte comme un tank, ok. Le Sherman, il est quasiment plein, hein, donc il faudra qu'on l'emmène. On va prendre ce Bradley là. Tac tac tac, du transport. Alors il nous reste combien de place là? Pas mal de place. Niveau munitions, toi t'es vide, toi t'es mi-vide, toi t'es vide, toi t'as du monde, toi t'as des munitions. Toi t'as des munitions, on te prend. Il nous reste 3 places, on peut prendre un autre striker, t'es à sec. Ok, on y va comme ça. Du coup, en termes de gens qu'on peut emmener. Dans le tracteur. Bon, on va pas mettre de monde pour le moment. On va emmener plus de lance-roquettes, je pense. Donc toi, tu vas amener du lance-roquettes. Ah, il n'y a plus d'espace libre, ok. Du coup, on va peut-être pas emmener du striker, du coup. On va les garder pour éventuellement la suite, ce qui veut dire qu'on a un peu plus de place. Donc 4 sur 11. Dedans, on peut mettre une escouade de sans recul. Très bien. Et là-dedans, on va mettre une escouade de sniper, je pense. Allez, hop, en route. On va comme ça. Hop, on les fait sortir et direct, il faut remonter. Donc, ici. On va aller se poser par là.
On a quoi? On a un frag. On va le poser par là. Et le dernier, c'est un Humvee à plasma. On va le poser par là. Toi, t'es en train d'aller poser ta plateforme. Là, on a de la troupe. C'est du sniper. On va en poser un là, je pense. Ce sera pas mal. D'accord, t'as décidé de la poser là finalement, pourquoi pas. C'est pas vraiment ce que j'espérais, mais... Vas-y. Shoot-moi ça. Est-ce qu'on est à portée? Non. Bon, on va rester là pour le moment. S'il s'approche, on est bien. Alors, Azul TGM, plus de munitions. T'as allumé des trucs, très bien. Une plateforme de transport, deux plateformes de transport. Dont une qui visiblement est celle qu'on doit arrêter. Ok, ici on a de l'homoncule. Un petit peu de plasma, là on a du frag, là on a de la mitrailleuse. On va les allumer. À court de munitions pour toi, très bien. Va te poser par là. Toi c'est quoi ton problème? Tu peux pas bouger. Franchement on s'en fout complètement. J'ai aucun problème avec ça, par contre on n'a pas réussi à se faire la... Ah si, il y a un ATGM qui est parti, putain j'avais pas vu. Touche, parfait. J'ai l'impression qu'on a perdu une escouade d'infanterie là. Est-ce qu'on a ça dans les messages? Non. Ouais, ils se sont tellement fait défoncer dans le bâtiment que par les mecs là. Bon ici on va devoir reculer. Ça fait chier mais... Il y a deux unités de REF 6, sérieusement? Ah non, c'est le même, c'est un REF 6 aussi. On va essayer de les forcer à venir un peu plus proche. Ça fait chier, mais bon, voilà. Là, il faudrait qu'on se débarrasse d'eux aussi, ça serait bien dans l'idéal. Bon, toi, arrête-toi. On va sortir les troupes. Vas-y. Quoi qui vient vers nous, une meute de loups et une araignée, des homoncules. Ok, donc le plasma devrait... On va plutôt tenir dans le coin là. Hein. Parce qu'il y a quand même du monde là, hein. Donc toi recule, viens là. Ah putain. Saloperie quoi. Ils ont des soins. Qu'est-ce qu'ils nous ont dépouillé là? Waouh! Ah, ça pique les fesses. Ok, on va envoyer un Abrams par là-bas. Alors, Malboom. Ah, ils sont pris un. Ils se sont pris un truc, encore une nuée là. Ouais, en arrière. Ah, on perd beaucoup trop de monde. Eux, ils sont trop bien posés là. On a personne sur ce. On a réussi à en tuer aucun là. Ça, c'était les REF6. Il nous faut un petit bras de lait là pour nettoyer cette zone parce que c'est beaucoup beaucoup trop brutal là. Tac tac tac. Toi t'es là. Ça c'est de la meute de loup. Là les homoncules ils ont quoi? Ils sont quasi morts. Parfait. Petit à petit ça se nettoie. Il faudrait que vous progressiez jusque là dans l'idéal. Toi t'as quoi comme portée? Viens te poser par là avec ton camion de ravitaillement. Ça m'ira bien. C'est quoi tout en bas là? La plateforme d'appui de feu qui est pas encore venue s'engager. Ça c'est mer ou l'autre? C'est toi, pollue un.
Là, j'aimerais qu'on sorte un snipe, s'il vous plaît. Parfait. Ensuite, viens donner un coup de main par là, parce qu'il y a besoin. Allez, vas-y. Planque-toi dans ta maison. Là, on est trop en sous-nombre, hein, et on n'arrive plus à avancer. D'ailleurs, on n'arrive carrément plus du tout à avancer, c'est pas bien. Il faut que j'avance carrément plus que ça. Il nous faut beaucoup plus de monde là-bas, parce qu'on va, quand le camion va arriver, il va se faire défoncer. Ok, donc du coup, ça veut dire que toi, tu poses ta tourelle. Toi, bon, vous trois, vous êtes notre force de frappe, vous roulez jusque là-bas en ligne droite. Pareil pour vous. Tout là-bas. Toi, tu vas poser ta plateforme lourde, je pense. Par là-bas. Là, on a réussi à buter l'araignée. C'est parfait. Ici, on progresse dans les bâtiments pour essayer de nettoyer. Ça me va. Donc toi, tu vas poser ta plateforme lourde par là-bas. Et en plus, tu auras un sniper pour aider. C'est parfait. Ok, on arrive à nettoyer un peu. Transport blindé, on leur a donné des ordres, ils se marchent dessus. Fait chier, ils perdent du temps, c'est con. Tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste derrière? Rien pour le moment. Eux, ils vont se mettre en position. On va partir en éclaireur avec le petit Humvee, mais je suis pas hyper positif, j'avoue. Si lui s'est arrêté, pourquoi pas. Ok, ici on a réussi à prendre la position, on va pouvoir tirer d'un peu plus proche. Par contre là, on n'a plus rien pour éliminer ce genre de truc. Plus de SWO, plus d'ATGM, quelques grenades éventuellement. On a éliminé ces deux tourelles, c'est déjà cool. Et là du coup, il faut qu'on avance. Il reste quoi devant nous? Deux homoncules à la con. Là, vous allez réparer. Et vous, vous progressez. Vous là-bas. Est-ce que vous pouvez prendre là? Fusil de précision 99, mais c'est au moins déjà ce que vous avez, non? Ouais. Et vous? Précision laser. Parfait. Vas-y. Snipe-le. Excellent. Lui, il se replie. Alors là, on n'a plus de munitions. La vache, ils ont plus de munitions de... Par contre, Malboom 2, c'est fini pour Malboom 2, fuck. Waouh, c'était quoi ça? C'est nous-mêmes qui tirons là, je crois. Ouais, c'est nous-mêmes qui tirons. Ici, il reste quoi? Une araignée qui est en train de s'engager doucement. Une autre araignée. Ici, on tient notre ligne, c'est pas mal. Vous tirez pas, vous. Mettez-vous en position pour éliminer ça, là. Bon, là, du coup, eux, ils ont plus que du... que des SWO. Pourquoi pas. Toi, du coup, ta tourelle, où est-ce qu'on va aller la mettre? J'ai envie de dire que tu vas progresser jusque là-bas, en fait. Ça me paraît mieux. Ici, on n'a pas pris cette zone. Ah, il s'arrête tant qu'on n'a pas pris la zone. Ah, ça c'est intéressant. Alors attends, prends-la pas. Ça c'est intéressant. C'est pas complètement pété quoi. L'homoncule tout seul là. Est-ce quelques grenades au passage. Ici, on déploie ça. C'est parti, il n'y a plus grand monde qui reste derrière, c'est nickel, là on a une petite position défensive. Alors ici, qu'est-ce qui nous arrive? Une plateforme de transport, ok. Toi t'es réparé, avance. Toi t'es en train de l'ajuster déjà. Parfait. Parfait, parfait. Il y a quoi qui arrive derrière?
des homoncules bien dans le mal. Ici, on va progresser jusqu'à cette maison. Éliminer les derniers homoncules là. Allez, jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Une plateforme de ravitaillement, ok. Ça, c'est une plateforme de transport qui se balade dans la pampa. Ici, on a une meute de loups qui approche. Il faut qu'on l'accueille avec ces véhicules là. Nous sommes totalement engagés dans le combat. C'est parti. Toujours pas d'hélicoptère. On va pas sortir l'artillerie. On va peut-être sortir l'artillerie. On va voir. On a quoi comme... Ah oui, on peut sortir largement ce qu'on veut. Le Sherman. Véhicule de combat. Véhicule de combat. On y va avec les munitions qui nous restent. Tant pis. On a foutre. Toc. Toc. Les strikers. Les strikers. Pour le moment, ça, non. Vous, on verra. On va mettre du monde dans nos véhicules. Mazamara, là-dedans. Ici, on va mettre des escouades lourdes. Ici, on va mettre de l'escouade lourde, un petit peu de sniper. Là-dedans. Il va nous falloir plus de comme ça, mais on a vu qu'il nous fallait aussi plus de mitrailleuses. Enfin, plus d'unités légères pour éliminer les petits enfoirés, là. Les homoncules qui se baladent partout. Ici, on peut mettre 7 plus 3. Plus 2. Ici, on peut mettre 8 plus 2. Et ici, on peut mettre 5. Ah non, j'ai plus... d'accord, j'ai plus assez de place de toute façon. Ok, donc on va enlever lui. On va enlever lui et on peut prendre du coup un véhicule d'artillerie supplémentaire. C'est parti, on les fait sortir et on fera le tri. Mais d'abord, on va arrêter l'épisode là, il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!